justement. Il est parti. Il n'y a plus du tout. Enfin, je ne voudrais pas dire, mais au niveau de la construction, c'est pas. Non, mais d'accord, mais bon, après, est-ce que c'est déjà le parti cassé? Est-ce que c'est cassé? Non, mais là, il est fraîché de leur truc. Bon. Oui, là, pour tomber un miroir, c'est un fond de carton. C'est pas du tout. Ça pagote. Le machin, il peut bouger. C'est bon. Bah voilà. Il est pas maintenu par son corps. Je suis dégoûtée quand même. Bah, y a toi, bébé, je suis désolé pour toi. Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis juste face à une fenêtre dans une de mes salles de bain. Je suis en train de faire des lessives, tout ça. Voilà, j'ai reçu mon deuxième miroir. Enfin, ça fait deux fois que je reçois le miroir Maison du Monde. Ça fait deux fois qu'il arrive cassé. Je m'en doutais, franchement. Je crois que le transporteur était encore plus énervé, plus dégoûté que moi. Il m'a expliqué, en fait, parce que moi, il faut quand même savoir, j'habite plutôt dans le nord de la France, quoi, au sud de Paris, mais à une heure de Paris. Et les paquets, comme ça, ils arrivent de la Fosse-sur-Mer, dans le Trèves, donc près de Marseille. Donc autant dire qu'ils traversent toute la France. Ils passent d'un camion à un autre. T'as beau écrire fragile, à un moment donné, un miroir d'1m80, il y a quand même 95% de chances qu'il arrive brisé. Je l'ai donc refusé, évidemment, et j'ai appelé Maison du Monde, le service client. Ça a duré longtemps. Ils m'ont donc dit que est-ce que vous voulez quand même pas tester une troisième fois? Je fais pourquoi pas, mais par contre, je ne veux pas que le miroir arrive de Marseille. Enfin, je veux dire, non. Essayez de m'en trouver un à 50 km de chez moi, peut-être. Elle a regardé, donc il n'y avait pas de dispo. Donc j'ai dit, écoutez, on va faire simple, je demande un remboursement, et elle m'a dit ok, donc d'ici 8 jours à 10 jours, je serai remboursée. Le truc, c'est que je l'ai quand même vu ce miroir, mais il était brisé, mais il est magnifique, il était tellement beau, ça aurait été super. Tant pis, je pense que j'en trouverai pas un équivalent près de chez moi, quasiment sûr. J'irai quand même chez But, parce que ouais, je les avais vus chez But, mais ils n'avaient pas ce côté un petit peu ornement, ce côté tellement élégant. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça commence comme ça. Et aujourd'hui, on a un programme assez sympa, et surtout ce soir. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça au fur et à mesure du vlog. Je vais fermer ça, parce que ça fait du bruit, les lessives. C'est décidé, je vais virer cette étagère. Je le fais à l'aveugle, hein, parce que je sais même pas s'il y aura une étagère qui me plaira chez But, mais voilà. Donc je vais enlever l'étagère, je vais la mettre dans la chambre d'à côté. Et là, je vais m'occuper, enlever tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà, et j'ai envie de vous montrer quelque chose. C'est bientôt mon anniversaire et Eric m'a fait mon cadeau. Il me l'a offert hier, donc il me l'a installé. On aurait pu attendre, mais bon, même lui était pressé. Je vais vous montrer, il m'a pris, donc c'est pas un ordinateur, parce qu'un ordinateur, j'en ai un, ça fait un an, un petit peu plus d'un an que j'ai eu un nouvel ordinateur qui est top, qui marche super bien. Non, il s'agit de l'écran, enfin du moniteur, mais c'est pas un moniteur comme les autres. Attendez, je vais vous montrer. Voilà la bête. Bon, déjà l'entourage blanc comme ça, il fait 32 pouces. Alors, il a plusieurs particularités. Déjà, je suis en train de voir un truc là. Mon appart est plastique. Il y a un plastique, je me disais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, hop. Il est incurvé. La date, c'est pas le 13, nous sommes le 14 aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que l'image du centre sera de même qualité. Sur la droite comme sur la gauche, parce qu'on perd en qualité sur les côtés en général sur des écrans tout droit. Et ben voilà, même pour je pense le repos des yeux, c'est hyper pratique. Moi, je vais pouvoir travailler en grand, voir tous les détails. Il est top, donc c'est un Samsung et je suis très contente. Alors voilà ce que ça donne. J'ai tout enlevé, ça en fait, hein. Je peux vous dire, c'est là que je me rends compte que j'en ai des petits bibelots, des trucs. C'est tout Mimi, donc bien évidemment je vais faire du tri et y a des choses que je mettrai ailleurs ou que bon, je stockerai. Pareil, la paperasse, ça sera peut-être plutôt dans... J'ai la chance d'avoir un double placard qui est super grand. J'ai pris les dimensions du mur, donc c'est plutôt pas mal, hein. 110 pour accueillir une... Moi je voulais vraiment une grande étagère, enfin en largeur, mais on n'en trouve pas en général, c'est 90. Regardez, en plus ce sera bien parce que ça cache quand même tous ces... ces tuyaux apparents. L'étagère, bah, en attendant, elle est là. Je l'ai mise ici et puis bah, demain, on installera tout dans la chambre. Et en même temps, je suis en train de changer tous les draps de cette pièce. Autant dire, je suis au taquet là. Et donc, le programme de ce soir, on va à Beaugency. Ça doit être à 40 km, je pense, de chez moi à peu près. On va donc au labyrinthe hanté. C'est en des nocturnes les mercredis et samedis soirs. On va être assez nombreux, il y aura Oscar, il y aura, je pense, ma fille, il y aura des enfants d'Eric.
Ouais, voilà, ça va être sympa. Mais je sais pas encore si c'est 8h, 9h. Je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est bien? Est-ce que. Voilà. Donc, bah, je vais vlogger tout ça. Voilà le programme. Et là, je continue à changer tous les draps. Je fais genre l'air de rien, mais il est trop mignon. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai fait ma petite pause là. Oh, non, mais regardez. Il avance, discretos. Mais il me regarde à chaque fois. Non, ça en fait, ça va pas être possible. Faut que je présente. Viens voir maman. Oui. Mais oui, maman, elle se repose. Comme je viens de le dire, je suis en train de me reposer pendant qu'Eric est parti faire du drone avec son fils. Je vais faire un petit brin de ménage, de vaisselle. Et après, bah, je pense qu'on va aller chez But pour les meubles. Ouais, il est ok aussi, lui. Les chaussures qui traînent. Je me suis pris ça aussi hier, pour nettoyer les écrans. C'est bien pratique. C'était vraiment très intéressant, Caro. Je suis prête. Eric m'emmène à But. Tapis, peut-être, et étagère. Il y a deux couleurs. Il y a celui-ci, le rose très clair, qui me plaît. Ça, c'est trop soutenu. Et celui-là. Après, non, oui, il y en avait un tout petit. Un petit peu plus dans les bleutés, mais non. Tu préfères quoi, toi? Genre, entre ça et ça? Ouais, il est plus passe-partout, je suis d'accord. Voilà, les miroirs, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y en a pas des larges. Par exemple, ce large, celui-là, mais il y a ça au milieu. Il y a celui-ci, mais il n'est pas large, quoi. Il est grand, mais pas large. Mais non! Il est très beau, ce miroir, comme ça. Choix des étagères. T'as nettoyé ta litière, non? Non, pour ça, il n'y a pas de... Bon, on est rentré. Pas de meubles, hein, pas de tapis, pas de miroir, rien. Je regarderai sur Internet. Je préfère attendre que prendre. Non, rien à voir, ça. Du coup, on est allé à la Farfouille parce qu'apparemment, pour ce soir, le labyrinthe, il fallait des lampes torches. Ça promet. Je vais en profiter. Ils sont repartis faire encore du drone. Je vais m'avancer un petit peu. Je vais tourner... ça, et puis si j'ai le temps, les deux box aussi. Voilà. Non, ça va pas du tout. Faut que je remette ça quand même. Hop. D'habitude, c'est vrai que je tourne là-haut, mais là, j'ai pas trop le temps. Vous savez ce qui s'est passé? Donc j'ai terminé. Mais la première prise, ça arrive de temps en temps quand tu te précipites. Je croyais avoir appuyé. Et non, donc tu parles, t'es contente de toi, tu te dis je vais faire les close-up et tu dois tout recommencer. Bon, allez, en parlant de close-up, je fais ça et faut que je montre quand même qui est-ce qui est à côté de moi tout le long. Ouh, bah oui, c'est un gentil chat. Elle est gentille. Et en plus, t'as même pas pleuré pendant que je tournais. Ça, c'est bien. Oui, il est 9h moins le quart. On s'apprête à partir, c'est un peu sombre parce que j'ai tout fermé le temps de partir. On a nos petites lampes de poche. Alors, ce qu'on a vu, c'est que le labyrinthe en lui-même, le labyrinthe hanté, c'est tous les samedis soirs en nocturne, on est mercredi. Mais là, il y a quand même des nocturnes hantées. Bon, on va y aller de toute façon, comme prévu. Bon, nous voilà arrivés sur le parking. Et ben, en fait, ça a l'air super grand. Vous allez pas voir, mais c'est juste pas possible. Il y a une queue pour aller payer. Oh là là. Excellent, j'ai été parler aux vigiles et tout. Oh, ils ont été trop sympas. Bon, bah, on est passé devant tout le monde. Bon, c'est bien parce qu'on a quand même une femme enceinte qui arrive, qui est dans le couple et qui arrive juste après. Bah, vous entendez, ça c'est la tronçonneuse. Mais non. C'est ici que je rentre dans le labyrinthe. Antoine! Venez, on va le faire sinon! Elle est pas bien! Je suis stressée, ma grande! Ça va bien? Ah! En bas! Oh putain, ça va! Tu Mais t'es de la lune! Vous l'avez, de toute façon, on serait pas sûr! J'ai peur! C'est quoi ça? Maman, je vais passer! C'est quoi?
Méfie-toi parce que j'aide dans les maïs quand même, hein! Attends! Moi je suis là. Bah reste toi parce que c'est très compliqué pour sortir. Elle a une balle de baseball! Ferme les couilles, Arnaud! Ferme les couilles, Arnaud! Bon. On va prendre des décisions. Mais attendez, parce que là on sait pas, c'est mauvais. Pourquoi? Vous avez jamais vu un film d'horreur? Oui. Au moment où on se sépare, les mecs tombent. Ok. Vous restez loupé. Les plus faibles, devant. Ah voilà, la sélection naturelle. Alors ça y est, on est sorti et j'ai échappé parce que normalement le gars avec la tronçonneuse qui m'a fait tellement peur tout à l'heure, il est à la sortie, mais là il était pas. Il doit être pas loin de minuit je pense. Mais c'est pas mal foutu hein, quand même. Moi je me dis ça va être pour les gamins, je vais pas avoir peur, tu parles. Ah, ça m'a chopé direct. On est de retour, il est quelle heure? 1h, 1h10. Crevé quand même, sensation forte, hein. Je crois qu'il a envie de manger. Alors? Comment? Je crois que vous ne l'avez pas vu beaucoup aujourd'hui. T'aurais eu trop peur. Tout ça pour vous dire que je vais clôturer ce vlog maintenant et qu'on se retrouve ni demain ni après-demain. Je fais encore un petit break, mais on se retrouvera d'ici quelques jours pour des nouveaux vlogs assez sympas. En plus, c'est mon anniversaire qui arrive. Donc je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite dans des prochains vlogs. Salut !